Hello, bonjour. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça va, il fait beau, c'est samedi, et puis je viens papoter un petit peu avec vous. D'après le titre de ma vidéo, je pense que vous allez être étonnés parce que je suis une novice au niveau de YouTube, ma chaîne est très jeune, et pourtant, j'ai obtenu un partenariat avec Bibicraft. Bon, c'est pas exceptionnel hein, en fait. Bibicraft a la gentillesse d'accorder des partenariats dès lors que l'on a déjà une centaine d'abonnés. Moi, je suis à 445, je crois. Donc, je remplissais les conditions et je me suis inscrite. Enfin, j'ai demandé si je pouvais obtenir ce partenariat. Et ça a été accordé sans problème. Je remercie Lisa de la confiance qu'elle me fait. J'espère que ce que je vais lui proposer lui conviendra et puis aussi vous conviendra à vous. Alors, donc, cette commande a été passée il y a 2 semaines. Je vais vous dire un petit peu ce que vous devez faire si quelquefois vous étiez intéressé vous aussi par un partenariat. Donc, il y a un programme, comme je vous disais, qui est dédié à cela. Il faut regarder en bas du site. Je vous mettrai les liens, hein, les liens du site, les liens de ce que j'ai eu en commande pour vous montrer. Et puis je vous mettrai aussi le code promo qui vous fera bénéficier d'une remise de 5 $ si vous commandez pour 40 $. Donc, je vous le dis déjà, mais je le remettrai en dessous. Le code promo, c'est CREANITA, C-R-E, et mon prénom Anita, C-R-E Anita 5, avec le C en majuscule, CREANITA 5. Voilà. Donc, vous faites la demande si vous voulez créer, si vous voulez avoir ce partenariat, et puis vous aurez un échange de mails avec Lisa ou quelqu'un d'autre. Donc, l'échange se fait chacun dans notre langue, mais sur votre message, vous avez la possibilité de cliquer pour avoir la traduction. Donc, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci avec ça. La commande, moi je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi j'ai obtenu de commander pour 40 $. En fait, ce n'est pas moi qui commande, hein, c'est Lisa qui a commandé pour moi. Je lui ai dit ce que je voulais, c'est elle qui commande. Donc pour une valeur de 40 $, ce qui fait en euros à peu près 36,50 € et des poussières. Voilà. Donc si vous commandez avec le code promo, sachez que vous avez 2 ans avec le même code pour obtenir vos 5 $ de réduction. Donc, la commande était passée le 16 avril. Vous avez donc jusqu'au 16 avril 2024 pour bénéficier de la promo. Alors, c'est un site que je ne connaissais pas trop. Et puis, à force de voir des partenariats, et puis j'en ai discuté aussi avec une copinette. Coucou Chantal. Et je suis d'abord allée voir un petit peu le site pour voir ce qu'il proposait. Et il y a beaucoup de fournitures pour les bijoux, pour les seaux de cire, pour le scrap, des tampons, des pochoirs, des dice. Donc vraiment, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur sans difficulté. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai reçu tout à l'heure. Donc, j'ai reçu 5 articles. Alors, tout d'abord, c'est super bien emballé. Il y a, en général, il y a deux emballages. Donc, un emballage comme ça qui ferme avec un zip. Vos fournitures, et puis là en plus j'ai encore un petit pochon pour mettre mes petites pétales. J'ai donc, je voulais ces petites pétales. Alors, c'est du satin, il y en a 200 dans le paquet, et c'est pour faire des fleurs.
Alors, ben j'ai pris un petit patchwork de rose. L'avantage, c'est que déjà c'est du satin, donc c'est super joli. Et puis elles sont déjà coupées, elles sont travaillées, et puis elles sont brûlées autour, ce qui fait que ça ne va pas s'effilocher. Et donc ben là j'ai une, deux, trois, quatre, cinq couleurs. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir m'amuser. Donc je vais essayer tout ça, puis je vous ferai un tuto, bien sûr. Là, il y a de quoi faire. Hein. J'aurais pas dû tout sortir. Je vais les ranger quand même, parce que sinon, je vais en perdre. Alors ça va gagner du temps, hein, parce que tout découper comme ça, je ne vous dis pas, quand on fait des fleurs, c'est vrai que ça prend un temps fou. Les brûler ensuite, et seulement après les travailler, là je vais pouvoir les travailler directement. Et puis j'aime bien le thème de la couture, donc je voulais ce tampon sur le thème couture. Pour faire des cartes, pour faire voilà, une petite chose sympa. Ou même si je fais un album sur le thème couture, ben, j'aurai déjà les tampons. Donc vous avez sur cette planche 18 tampons, hein, j'ai calculé tout à l'heure. Donc des mannequins, j'en avais en dice mais pas en tampon, hormis un grand vintage. J'étais intéressée par le maître de couturière, par la machine à coudre, bien sûr, le pique-aiguille, la dentelle, le tampon dentelle. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire quelque chose de très très joli. Voilà. Et puis pour aller avec, j'avais vu sur une vidéo ce tampon avec des coutures, enfin des coutures, oui, des coutures, des points de couture. Donc vous avez le point épine, moi je les connais pas tous, et ça je trouve que c'est super bien pour faire du dos de ligne par exemple, et puis aussi pour illustrer une création sur le thème de la couture. Voilà, donc là je suis super contente parce que c'est quelque chose qu'on trouve pas partout, hein. Ce tampon là, je l'ai jamais vu ailleurs. Ensuite, des fleurs, parce que j'adore faire des fleurs. Alors celles-ci, j'aime bien parce qu'elles sont... Ça, c'était pour compléter la commande. Mais j'adore faire des fleurs. Donc, elles sont toutes minuscules, toutes petites. Enfin, celles-ci, surtout, j'adore. Donc là, vous mettez juste un petit brillant et ça va vous faire des trucs super, super beaux. Donc, il y a cinq tailles différentes. Et à chaque fois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétales. Ouais. 4, 3, 7. Donc, il y a de quoi faire des fleurs un petit peu de toutes les tailles. Et alors, ce que j'adore par-dessus tout, c'est ce dice-là. Ces dice-là. Ce sont, je les ai déjà, j'étais pressée de voir, hein, non, j'ai déjà fait les découpes. Ce sont des dice de bordure, de séparation en fleurs. Alors, il faut 14, 15 cm, celui-là, sur 2,5 de largeur. Alors, celui-là, c'est 2,5. Celui-là, c'est ça. Je sais pas quel est le sens, comme ça, peut-être. Voilà. C'est fin, c'est vraiment adorable.
Ça se découpe sans souci. Pourtant, il y a plein de petits morceaux, mais c'est impeccable. Je vais encore galérer pour la colle, mais ça, vous avez l'habitude maintenant, hein, Isabelle? Voilà. Pour celui-là. Ensuite, celui-ci. Alors, pareil, 15 cm sur... Ouais, 2,5, pas tout à fait. Celui-là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y en avait 4 dans le sachet. Celui-ci, la même chose, 15 cm sur celui-ci, il est un peu plus étroit, 1,5, ouais, 1,5, 1,8, et c'est ça. Il est très très fin, j'aime bien le petit nœud au milieu. Ça, vraiment, pour partager une carte en deux, je trouve que c'est chouette. Hein, avec, je sais pas, par exemple, des rayures sur le bas de la carte, la petite séparation, et puis autre chose au-dessus. Vraiment, je trouve ça super. Et alors, mon préféré, c'est celui-ci. Ah, je ne vous ai pas dit la dimension de celui-là. Celui-là, il fait... Bon, toujours... 15, ouais, 14,5, 15 sur. C'est pareil, 1,7, 1,8. Et celui-là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, celui-là est un petit peu plus large. Il fait presque 3 cm. Et alors, je l'adore, il est magnifique, regardez. Je trouve superbe. Voilà, franchement, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bon, ben voilà. Alors, pareil, hein, super bien emballé. Ils sont emballés individuellement, et puis en plus, ils sont encore dans un sachet. Donc, contente comme tout, c'est de la belle qualité. Je vous recommande la boutique. C'est arrivé en 2 semaines. Comme on dit le 16, on est le 30, donc vous voyez, 14, donc 2 semaines pile poil. Et je trouve que tout est fidèle à ce que j'ai vu sur le site. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Je vous mets tout ça en dessous. Et puis, ben, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye!